Ouais, salut les zozos, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre walkthrough sur Far Cry 3 Blood Dragon. Excusez-moi pour le petit trou, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je dis à chaque fois, je dis walkthrough, j'arriverai jamais à le dire ce truc. Bon, vous m'avez compris, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur ce fameux standalone qui est Blood Dragon. Donc on venait à peine de prendre la première garnison et on allait attaquer directement. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a pas mal de... Il y en a pas mal de garnisons, il y en a pas mal tout le long et tout. Donc je crois qu'il y en a 12 ou 13 si je dis pas de bêtises. Là, c'est les fameux scientifiques et on allait retrouver notre cher Darling. Objectif terminé. Tout va bien? Oui, merci. C'est quoi ces trucs? On n'est pas sûr. Peut-être un fossile vivant du début du Crétacé. On les appelle les dragons de sang. Déesse pour les intimes. Quand Sloane a bu leur sang, ça a surchargé ses cybercomposants. Il a bu leur sang? C'est une blague? Non, sergent. Si c'était une blague, elle ne serait pas drôle. Le sang a surchargé Sloane. Il est devenu encore plus puissant. Mais il a pas une gueule de porte-bonheur. Pourquoi vous aidez Sloane? Et qu'est-ce qu'il veut faire de cette roquette? Sergent, un peu de calme, je vous en prie. On se servait des roquettes pour faire des tests sur les charges biochimiques du sang des dragons. Des roquettes? Genre plusieurs lances rouges? Combien? Je ne sais pas. Beaucoup. Je ne crois pas que Sloane s'intéresse encore aux tests, et je ne veux en aucun cas être mêlé à ce qu'il fait aux gens normaux. C'est pour ça qu'il a déserté? Sergent, Sloane n'a jamais été tout à fait clair. Maintenant, il a des roquettes et... Dieu sait ce qu'il compte en faire. C'est quoi cette seringue, Doc? Écoutez, c'est pour vous rapprocher de Sloane. Vous serez plus puissant, mais sans les effets secondaires. Non, Doc. Jamais. J'ai fait une promesse à une femme. À une femme? La vôtre? Non. À la Statue de la Liberté. Elle m'a appris que les gagnants ne se droguent jamais. Très bien, écoutez. Sloane dirige 3 installations top secrètes, toutes indispensables à ses opérations. Je vous envoie leurs coordonnées. Contactez-moi une fois sur place, je vous donnerai les informations nécessaires. C'est comme si c'était fait, Doc. Et vous, vous êtes en sécurité ici? Oui, aussi longtemps que Sloane ignorera que je vous aide. Bonne chance. Waouh, j'ai fait une promesse à une femme. Qui? La Statue de la Liberté. C'est grave. Quand vous sécurisez une garnison comme celle-ci, des missions secondaires deviennent disponibles dans les postes des aventures. Libérer une garnison, pose de démocratie. D'accord, prise d'otage, voie du prédateur, ok. C'est le moment de faire plaisir aux fans. Ça va faire mal. Donc on est parti pour notre première réelle mission. Bonjour. Oh, figure que tu as. On m'écouterait un peu plus si je tuais tout le... Je pense encore tout haut. Lol. Donc on est parti pour notre première réelle mission. Donc, qui consiste... Objectif en cours, on n'a pas de... Si, on peut poser un marqueur, ok. Déjà, qu'est-ce que c'est ça? Débloquer des accessoires, d'accord. Les accessoires rendent vos armes plus grosses et plus puissantes. D'accord. Donc c'était un petit peu comme les missions secondaires qu'on avait dans les camps dans Far Cry, premier du nom, quoi. Far Cry 3, hein. Le jeu. Il faut rassembler des objets en chassant des animaux, ok, d'accord. D'accord, l'objectif étant d'avoir un silencieux cache-flamme. Et clash flamme pour le petit flingue. J'accepte la mission. Et normalement... Qu'est-ce que c'est? D'accord, l'objectif. Ça y est, ben on est enfin libre. On peut se balader où on veut les oiseaux. C'est parti. Oh là là. D'accord, j'ai récupéré mes armes. Ok. Donc j'ai réussi à récupérer mes armes. Donc on va aller faire la première mission, qui consiste à assassiner une personne. Est-ce qu'on peut toujours... Toujours.
Allez, c'est parti. Éliminez les cybersoldats de l'Omega Force discrètement. Sinon, ils tueront les otages de façon définitive. Lol. Façon définitive. Qu'est-ce que t'appelles par définitif? Il n'y a pas une troisième là? Ouais. Vous savez que je me régalais à faire ces genres de missions dans le Far Cry 3. Oh, écoutez la musique, elle commence à arriver. Oh là là, l'OST de... Les dés porte-bonheur ou dés du geek sont parfaits pour détourner l'attention des ennemis cyberhumains. Ah, la musique elle est énorme, putain, ce standalone il est absolument énorme. Franchement, on m'aurait fait un jeu carrément consacré comme ça, je l'aurais acheté direct. Je vous le dis les zozos, c'est clair et net. Alors qu'est-ce que je pourrais faire là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Il s'amuse ces chacals. Est-ce que ça a détourné leur attention? Que de lui là-bas, ok. Waouh, la musique elle est magnifique. Il a fait une grille. J'ai envie de tenter un truc. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Je le fais. L'otage se fait attaquer. Protégez le cyberintello. Yeah baby. Bon, ça a failli être chaotique, mais j'ai réussi tout compte fait. J'ai fait ce que je voulais faire, j'ai récupéré mes points, j'ai libéré l'otage. J'ai récupéré mes cybercœurs. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression d'être full. Oh, la musique elle est grave. Attends. Tranquille mon gars, tranquille. On a le temps, on a le temps. Je t'ai sauvé mec. Oui, tu vas me parler. T'inquiète pas. Et il commence à me saouler, je lui tire une balle à lui, il va rien comprendre. Le génie scientifique triomphe encore. Grâce à vous, bien sûr. Pour utiliser le système de déplacement instantané de Kobayashi Corporation, ouvrez la carte, sélectionnez une garnison libérée et appuyez sur les bonnes touches. Le déplacement rapide de Kobayashi Corporation, fiable à 85% avec seulement 10% de dégradation génétique. Lol, ils nous font flipper ces chacals, quoi. Nickel. Alors, hop, je connais à peu près... Hop là. Appuie sur les bonnes touches, genre. C'est des malades mentales. Franchement, c'est trop bon. Conformément à l'acte des jeux de guerre, les activités secondaires permettent de gagner des accessoires et des crédits valables dans un magasin de garnison. Plus mes armes seront grosses, plus je serai en sécurité. Si vous commencez à manquer de ressources ou de matériel de destruction, comme les munitions, rendez-vous dans une garnison et faites le plein en magasin. Ok, munitions, armes consommables. Donc il me demande de sélectionner. Ok, on sélectionne. Silencieux. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Il y a quand même pas mal de choses à débloquer. Hein. Donc déjà, en premier lieu, je pense qu'on va faire ça. Parce que l'arc, vous savez que moi et l'arc, c'est toute une histoire d'amour. Alors qu'est-ce que c'est que ces scans? Un scan zone, d'accord. Des munitions, je pense que c'est comme le dans le précédent. Voilà. Ok, C4000 quoi. Nous on a des C4, c'est des C4000. C'est des malades. Pour résumer, sécuriser des garnisons, des blocs, des magasins, des activités secondaires et des points de déplacement rapide. Les activités secondaires vous font gagner des accessoires, des armes et des munitions dans le magasin le plus proche. Autant d'éléments qui feront de vous une machine de guerre comblée et efficace.
Ok. Ok, débloque nouvelles aventures, voix prédateur. Ça va. Yes. Donc je suis tenté là de faire la deuxième. Je pense que je vais faire la deuxième directement. Allez, c'est parti. Voix du prédateur. Oh putain. Ah, ils sont pas loin les premières missions. Ah, console. L'objectif de voix de prédateur est de tuer une cible, un animal rare. Ok, comme dans Far Cry 3. De toute façon, ils changent pas le même principe, sauf que c'est vraiment, voilà, c'est... C'est un univers particulier. Alors moi, personnellement, j'adhère. Alors, ce que vous allez adhérer à cet univers, qui est quand même très très particulier. J'ai remarqué aussi une autre chose, regardez quand je me baisse. Vous voyez mon personnage en bas à droite. C'était, en fait, c'est la posture que prend Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Quand il arrive à chaque fois dans au tout début du film, quand il se retrouve à poil. Et j'avais pas remarqué, j'ai remarqué juste en relançant le jeu tout à l'heure. Pour vous dire tellement c'est des malades mentales, franchement. Moi je le conseille à tout le monde, ce standalone, il est complètement abusé. Qu'est-ce que c'est? Putain, en parlant d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est? Évidemment, ils m'ont changé les armes. Donc, faut tuer les cassoirs. Ok. Mission cassoir, les oiseaux. Qu'est-ce que c'est, ça là-bas? Ah, c'est des cassoirs? Il y en a partout. Allez hop. Me course ou quoi là? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, elles me font du mal. Oh, le bordel! Oh, on me défoncer. Eh, mais ça fait super mal ce truc. Oh lol. Oh, les chacals. Premier animal. Ça y est, il commence. Oh putain, oh putain. Ça y est, il m'a pas grillé. Ça y est, ça recommence, le petit stress là. Oula, qu'est-ce que c'est vivant ça? Ouais, c'était vivant. Oh fuck, putain, il y a un dragon. Mais c'est moi qui les a tirés ou bien? Et faut que j'aille récupérer mon truc, moi, là-bas. Mais attends, il est en train de les bouffer. Et ma mission, du coup, là. Excuse-moi, mon gars, mais tu m'as failli la mission, là, je crois. Waouh! Merde, c'était pas les bons trucs que j'ai jetés, je crois. Ah, il est où mon cassoir? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, ça c'est des objets à collectionner, d'accord. C'est des télés. Okay. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Toi t'es... Oh mais arrête! Mais pourquoi ça marche pas? Non. Il se passe quoi là-bas? Lol. Il dit comme à l'ancienne les oiseaux. Hein. Là il y a tout qui brûle et tout, c'est le bordel.
Je sais pas de quoi ils ont peur. En tout cas, moi je les défonce. Ravi de te découper. Je sais pas de qui ils ont eu peur. Ou qui s'est fait attaquer par qui, j'ai rien compris. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, j'ai eu le dernier mot. Ok. Ah d'accord, ils attaquaient des scientifiques, bordel. Oh les enfoirés. Cœur tendre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Passoir, ok. Je sais pas si vous j'en tue un certain nombre. Qu'est-ce qui se passe? Eh mais j'ai l'impression que où que j'aille, c'est le bordel en fait. Eh mais attends, mais c'est des amis je crois. D'accord, c'est des potes en mode il faut tuer du cassoir quoi. Ok. Bon, je vous l'ai prévenu, franchement, je vous le dis, hein, cette série sera vraiment consacrée à tout l'univers de Blue Dragon. Donc je vais me balader à droite à gauche. Si vous attendez vraiment à voir que des missions principales, je vous conseille d'aller voir le let's play d'une autre personne. Parce que je veux vraiment m'éclater, en profiter un maximum. Putain, comme ça je perdrai plus mes flèches. Ah qu'est-ce que c'est ça? Oh merde. Ah mec, je suis bidon. Ah fuck. Eh, je vais pas l'avoir. Allez, bordel de merde, cochon sauvage. Pourquoi tu te tailles? Je t'aurai. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Bon, ça va. Encore toi? Eh, mais tu me saoules, hein. Attendez, j'en entends un, il y a lui ou sa cousine, là. Et il y a que des cossoirs dans le coin, ou quoi? Bon, je suis pas... En tout cas, ça me fait flipper un peu. C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Je crois que c'est encore un cochon. Ou un sanglier. Plutôt un sanglier. Oh, c'est abusé que j'arrive pas à le tuer, quoi. Ça fait deux fois... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs. Ok, ils sont en train de faire bordel sur les... Et je suis resté que dans une zone depuis tout à l'heure, rien que ça repop et tout, c'est hallucinant. C'est hallucinant, donc je vais un petit peu bouger de zone parce que c'est vrai que sinon je m'arrêterai jamais. Je sais pas si j'ai réussi ma quête principale. Donc je crois que la garnison, de toute façon, je sais pas que je crois, c'est que c'est sûr. Elle est ici. Vu que le point vert au ciel. On y va de suite. Donc toujours possibilité de prendre des véhicules, je suppose. Exactement. Donc quelle est ma quête principale, mon cher? Quête principale est ici. Ok. D'accord, d'accord. Donc faites barrage ici. On va mettre un point là-bas, ok. On va aller un petit peu se balader. Et je pense que avant de lancer la mission, je mettrai fin à cette deuxième partie. Enfin, toujours aussi énorme. C'est franchement. Rien à dire. Oh putain de merde! Ok, j'ai compris. Oh, j'arrive pas à le tuer! Ok, ok, ok. Ciao. Il est où? Là-haut. Lol. Bon, du coup, j'ai pété mon véhicule. C'est pas grave, c'est pas grave. Encore un cœur brisé. Ça, c'est des nouvelles races encore, non? Je crois bien.
Bouge pas, bouge pas. Ah non, c'est encore des sangliers, je crois. Lol, il passe comme ça. Heureusement, j'étais dans le buisson. Oh non. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un chigre, non? Ah fuck! Ah mais c'est trop dur à viser comme ça. Je l'ai bien baisé. Il est où lui? Ah mais il y a un truc qui se fait courser, qu'est-ce que c'est? Ah c'est le pare-brise. Il a perdu la tête. Eh c'est un chigre et tout. What the fuck? Mais excusez-moi pour mon loupisme à l'arc. J'essaye de faire tant que je veux, le mieux que je peux. J'adore ces conneries. D'accord, on peut pas casser un truc avec le... Si, si, quand même. Je crevais quoi, là? On peut toujours crever les pneus. C'est toi qui te faisais courser? Mais ce qui est... Pauvre petit cochon. Donc là. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Toujours des cassoirs. Donc là, il y a une garnison. Je sais pas, je me tâte, qu'est-ce que je fais? Non, je pense qu'on va pas s'attaquer directement à défoncer toutes les garnisons, ça serait trop VHS. C'est bon ça. Je trouve plein de trucs pas mal. On va pas s'amuser de suite à faire tout ça. On va essayer de s'avancer un maximum vers l'objectif. Et attendez, il y a une chose que je voulais chercher. Moi je suis où moi? Hello? Rex. Ah c'est moi? Putain, je suis une forme de delta plane, quoi, le bordel. Chercher un truc. Je sais qu'il y en avait sur la map. Ça veut dire, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Je sais que dans le coin là, la dernière fois, j'avais trouvé une sorte de delta plane. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est pas grave. On ira plus tard. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais ça fait super mal! Cette merde. Donc vous avez vu que il a aussi une autre particularité, hein, il se soigne pas comme dans les anciens. C'est quoi cette lumière là? Il y a une sorte de lumière lumière bleue, c'est pas moi qui fais ça. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je pense que je vais me balader pendant un bon moment sur cette carte. C'est absolument énorme. Personne? Bizarre. Allez. Ok, personne. On va se faire plaisir. Putain, il y a tout qui est... C'est un truc de fou ce jeu. J'entends deux langues des mecs se friter, mais je vois pas d'où ça vient. Putain, en plus ça part en couille quoi, grave. Que je fais mon bordel. Et boum. Boum. Pleine tête. L'or, il m'agrippe là-bas. Envoyez un médecin, que je puisse le buter aussi.
Lol. Où il va? Ah merde, juste putain. J'irai me coucher quand tout le monde sera mort. On y va. Qui veut la place du mort? Qu'est-ce que c'était? Oh my god! Cours, 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 cours. Hey, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah ouais, il veut se friter à moi. Je sais même pas si je le touche. Il est où? Tu vois, il a disparu. Cadeau. Je vais pas survivre là. Non, je lui en ai rendu 5. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc? LOL. Mais ça lui fait rien, bordel de merde. Oh putain, j'ai ma mec qui part en couille. Vite. Non, t'es sérieux? J'ai raté les deux, quoi. Je l'ai affaibli un peu ou pas? Même pas. Waouh! Mais il rigole. Que ça? Mais il fait trop mal. Comment tu veux que je le dessoude, ce truc? La main qui part en vrille. Ah, ça fait du bien. Allez, vas-y, viens là, toi. Coucou, je t'ai tué. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je sais pas, en tout cas le dragon, je sais pas où il est parti, mais il m'a fait grave flipper. Il est invincible, j'ai l'impression, le truc, c'est abusé, quoi. Encore un cœur brisé. Attends, il est par là, vas-y, moi je termine pas la vidéo tant que je l'ai pas tué. Elle est dégaine, cette petite... Cavale, cavale, cassos. Wow. J'ai sauté comme un malade là. Je veux des munes, je veux des munes. Joli. Y'a un mec là? Ah si, je prenais la mitraillette pour défoncer le truc. Non, il va pas défoncer la voiture du moins. Monte, 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 monte. Le bâtard. Oh, il m'a défoncé, rien. Oh, comme c'est tarpin chaud de détruire un dragon, c'est un truc de malade. Je sais même plus où j'en étais. Eh, c'est un truc de malade. Eh, mais ils rigolent même pas les dragons. Oh. T'es sérieux? Munitions? Ouais, je veux toutes les munitions. Je vais changer un truc, je pense que le pompe pour l'instant c'est pas trop ça. C'est lequel C'est ça je crois. Ah, il me demande encore des munes ou quoi? Non, c'est bon.
Ah ouais. Ah mais du coup maintenant le dragon il est parti quoi, il s'est taillé wesh. Putain c'est un truc de malade donc je vais. Direct je me suis fait spot. Non casse-toi. Ah bien un dragon là, vas-y je m'en fous, tu sais quoi. Je suis en mode je vais détruire le dragon là. Et attends-moi, attends-moi toi. Attends-moi. Tu vas te faire défoncer mon gars, fais gaffe. Ça part en couille frère. LOL. Laisse-moi tranquille, attends, attends, attends. Attends que je me prépare mentalement. Oh, me grille pas les sourcils là. Va te faire foutre, va te faire foutre. Wow. Oh le fils de chien. Il est où? Ok ok j'ai compris, picouze. Attends, on va s'amuser, tu veux t'amuser? Eh mais il crame tout, même les pierres ou quoi? Eh mon frère mais... C'est pas possible. Ah ça va, c'est moi, je me cachais mal. Ok ok ok. Ça va, j'ai compris, tu sais ce que je vais faire. J'espère qu'il recherche pas son truc. Il est où, viens. Tu veux faire la... Oh, oh je vais me péter en deux. Tiens, viens, cadeau. T'aimes ça les bombes? Oh putain, mais à chaque fois il me défonce. Il a pas l'air trop apprécié mes bombes hein. Et j'ai pas le niveau pour le tuer. Oh il traverse les murs et tout le truc là. Acharnement sur un dragon, je m'en fous, faut que je l'aie mon dragon. Il va tirer ou quoi? Wow. Je vais t'avoir chacal, je vais t'avoir. M'en fous, je te tire des balles comme ça dans la bouche. Wow. Oh putain, je fonçais vers lui. Attends, reste là mon coco, reste là, reste là, reste là. Attends deux secondes. Je m'en fous que je suis en train de me ruiner. Allez, répare-toi la main. Ok, il va cracher ou pas? Oui, il crache. Reload. Je vais avoir un dragon, je vais avoir un dragon. Fuck. LOL. Ça donne 5000 de... C'est tout. Tout ça pour ça, mais fuck, 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 fuck. Bon, ok. Bon, mais je saurais ce que ça fait. Donc, vous voyez... Vous verrez ce que ça fait de tuer un dragon. Je vais recharger toutes les armes et je pense que je vais rester ici pour le moment. Vu que ben j'ai fait bordel. Pff, putain ce jeu, mamma mia, c'est un truc de fou. Donc écoutez les oiseaux, j'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je prends, vous le voyez, je prends un plaisir fou à jouer sur ce Blood Dragon. Oui, on va rejoindre le barrage, allez, si ça te fait plaisir. Et même, non, je pense qu'on le fera plus tard.
dans la troisième vidéo, parce que là ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc vous avez vu que là franchement j'ai rien fait, j'ai fait une mission, je commence à me balader, vous partez à droite, à gauche, il y a tellement de choses à faire que voilà quoi, c'est du Far Cry. Donc truc de fou. Donc moi je vous dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très prochainement pour la partie 3 sur ce Blood Dragon, en espérant que j'aurai un petit peu, je pourrai un petit peu up mes armes et tout. Et je vous ai pas montré aussi, ah, attendez, on va se mettre au sommet. Ah ben voilà, en même temps j'ai trouvé un truc. Qu'est-ce qu'il fait, il est pas content. Ça je vous l'avais expliqué hein, que dès qu'il est, il est bleu c'est qu'il est normal, dès qu'il est jaune c'est qu'il commence à un petit peu à guetter, et dès qu'il est en mode rouge c'est qu'il se passe un truc pas normal. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment il m'a guetté lui? Ils sont fait attaquer par quoi? D'accord. Je prends juste le truc de mon animal et je vais me laisser. Wow. Donc on va partir. J'ai pas envie que ça recommence. Ok. Donc quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Oh là là, attends, ça me fait mal aux yeux. Moi j'arrive plus à remonter, bref. C'était les sortes de compétences que je vous ai pas montré lors du premier opus. Donc je vais récupérer un petit peu les soucis. Voilà. En appuyant sur échappe, vous avez plus les stats de compétences en fait, comme avant qu'il fallait chasser pour avoir les peaux et tout ça, améliorer les armes. Là cette fois-ci c'est en faisant les missions, vous l'avez compris. Vous avez aussi une sorte de console de données où c'est que vous avez toutes les missions qui sont répertoriées. Donc là j'attaque la mission 2. Vous voyez qu'il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 7. On va voir comment ça se passe. Les carnisons, il y en a 13, donc je m'étais pas trompé. Les compétences gagnées, il y en a 7 sur 30, voix du prédateur, etc. Donc les prises d'otages, vous avez tout qui est stipulé ici. Donc une télé sur 32, donc il va falloir que je fouille un petit peu parce qu'il y en a pas mal. Des entraînements, on n'a pas besoin. Les objets, donc les télés. Donc vous voyez que si je récupère... j'ai pas compris là. 9 sur 32 télé, double canon. J'ai pas bien saisi. Donc je pense qu'en récupérant des objets cachés, je pourrais améliorer, upgrader un petit peu mes armes. Donc les factions, il y a les scientifiques et bien sûr l'oméga. Donc les armes, vous voyez, un petit peu la faune que je commence un petit peu à prendre. Donc tic blanc et noir, pas mal du tout. Dragon de sang, sanglier, ça c'est à chaque fois que je chasse. Donc un casoar et une cyber panthère. Oh, c'est super bien fait, franchement je vous ai dit, ils ont poussé le vice très très loin. Donc bien sûr mon personnage qui est Rex Power Colt. Un fou furieux, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ce jeu. C'est franchement une dinguerie. Moi je vous le conseille encore une fois. Il coûte 14,99€, que ce soit sur Steam, sur Uplay, que ce soit aussi je crois sur le store ou sur l'arcade d'Xbox Live. Donc franchement vous pouvez vous faire plaisir. Vous en avez à peu près je pense. Moi je vais donner une... Je pense que pour voilà, 10 heures de jeu pour 14€, je pense que ça peut être pas mal. Et donc je voulais vous montrer aussi, parce que là j'étais allé dans les compétences, dans les consoles de données. Et donc voilà, voici les compétences. Donc niveau 1, ça se passe comme ça en fait. Voilà, vous voyez déjà il y a 30 niveaux, donc ça peut être pas mal du tout. Niveau 2, entre 2 et 5, vous avez plus barre de santé. Niveau 3, chargement d'éclair, barre de santé plus, archer sniper, pardon. Gagner une barre de santé en plus, nano, etc. etc. Donc ça se passe comme ça. Plus vous upgradez, plus vous avez des compétences. Ça se passe plus en fait une sorte de branche où vous devez mettre les compétences à votre guise. Là, ça se fait automatiquement. Donc à vous à chaque fois de vérifier un petit peu comment ça se passe et tout. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs. Donc lol, c'est un troll niveau 30 quoi. Diminue les dégâts dus aux flammes de 50%. Lol. Émulation au pistolet. D'accord, ça je l'ai mis. Je kiffe grave ça. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs. 30 levels. Vous avez vu un petit peu l'ambiance. Un petit peu l'émission, des genres de vidéos, comment ça se présente et tout. Donc si vous avez pas envie de vous spoil, je vous conseille vraiment de le prendre. Encore une fois, hein, je vous le dis, je vous le répète, parce que vous savez que je suis fan de Far Cry. Franchement je suis tombé amoureux de cette licence et de plus Ubisoft me comble de plus en plus, je vais dire. C'est vrai que j'ai jamais été déçu pour le moment de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils prévoient de faire, et ça peut caler de mieux en mieux. Et franchement je trouve que c'est on va dire
une sorte de, je sais pas ce qu'il aurait pris pour faire un jeu, je sais pas ce qu'il aurait pris, ce qui, voilà, d'un coup, que de faire un jeu comme ça. Mais franchement, moi je suis vraiment satisfait à 100%, 1000%, étant fan, comme je vous l'ai dit dans le premier opus, de tout ce qui est film 80, des, voilà, c'était des films qui ont bercé mon enfance, donc franchement, je peux que apprécier ce délire de jeu. Après, beaucoup vont dire que c'est de la merde, ou que ça a plus rien à voir à Far Cry. Bah écoutez, faut tenter les choses dans la vie, tant ça plaît pas, écoutez, moi en tout cas, je suis comblé, je vous dis à très très bientôt pour la partie 3, je vais arrêter de blablater, et je vous fais des bisous pour tous, c'était Parano, allez, peace.